Ce matin, nous avons préparé une petite salade et puis après un tartare de thon que l'on va accompagner tout à l'heure d'un bon riz chaud. Julienne, le professeur de cuisine, n'a que 2 élèves en CAP poissonnerie, car la filière vient d'ouvrir cette année. La leçon d'aujourd'hui porte sur des plats très communs en Polynésie. En premier, le beignet de Haina. Dans les milieux polynésiens, on mange toujours du poisson cru, on mange toujours du poisson frais, alors que là, les techniques d'apprentissage sont quand même plus approfondies, hein, telles que les tartares, les carpaccio, les mitouilles, enfin, pour ne citer que les préparations et les transformations du poisson. Au cours des 2 années de CAP, les élèves apprendront à réceptionner les produits de la mer, à les préparer, c'est-à-dire à les écailler, les ouvrir et les filer. Enfin, il s'agira de les transformer ou, comme Julienne aime à le dire, à les valoriser en les cuisinant. Nelly prépare le tartare de thon. Couper un tartare, c'est tout simple. Il suffit de prendre ta planche à découper, ton couteau et ton poisson. Après avoir coupé en bâtonnet, il te suffit juste de rassembler tous les thons que tu as découpés en julienne et tu les coupes en petits cubes. Cette formation unique n'est ouverte qu'au lycée Saint-Joseph. L'établissement a constaté le manque de personnel formé dans les poissonneries. On a prospecté et on a proposé aux autorités académiques cette formation de CAP poissonnier qui répond aux besoins du marché et peut-être également, et nous l'espérons, au futur gros projet de la ferme aquacole des Tuamotu. Les lycéens sortant de cette formation pourront travailler dans des poissonneries, des restaurants ou même créer leur propre entreprise. Un parcours professionnel adapté aux ressources et aux besoins du Fénois qui fera certainement des émules.